إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé dans le cours dernier, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, on était en train d'énumérer les 6 piliers de la foi, comme le Cheikh l'Islam les a mentionnés de façon résumée. Donc on était en train d'expliquer les paroles de Cheikh Saleh al-Fawzan, qui donnait une petite interprétation, une petite explication très résumée des 6 piliers de la foi. Donc on était arrivé au troisième pilier de la foi qui est al-Iman bil-Kutub. التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور وهدى فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والإيمان بما لم يسمى الله منها. Donc le Cheikh dit que la foi en les livres, ça signifie de croire en les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers et que c'est sa parole, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est une parole de vérité, elle contient une lumière et une guidance. Et c'est obligatoire de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné spécifiquement comme livre dans ses révélations. Comme par exemple, il a mentionné Al-Injil, Al-Torah, Al-Injil, Al-Zabur et Al-Qur'an. Donc ça c'est des livres qu'il a mentionnés par nom dans la révélation, et donc il faut croire absolument à ces livres qu'il a mentionnés spécifiquement. Par contre, s'il y a d'autres livres qu'il a pas mentionné spécifiquement, on y croit de façon générale parmi les articles de la foi, comme on dit, on croit aux livres d'Allah, donc on croit en tous les livres, ceux qu'il a mentionnés et ceux qu'on ne connaît pas, qu'il n'a pas mentionné. Comme par exemple, il y a des prophètes, comme on va en parler, il y en a des prophètes de qui il a parlé dans le Coran, il y en a 25, et il y en a d'autres qui existent, qui ont existé et qu'on n'a pas entendu parler dans le Coran. Et pourtant c'était des vrais prophètes eux aussi. Comme le Cheikh dit le point numéro 4, al-iman bil-rusul alladhina arsalahum Allah ila khalqi ay at-tasdiq bihim jami'an wa annahum sadiqun fi ma akhbaru wa annahum ballaghu risalat rabbihim wa la nufarriqu bayna ahadin minhum bal nu'minu bihim jami'an wa man sama Allah minhum fi kitabihi wa lam yusam minhum كما قال تعالى في آية 164 من سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a lu? Ça veut dire qu'il faut croire au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a envoyé à sa création, et croire en tous les messagers et tous les prophètes. Et il faut croire qu'ils étaient véridiques. Quand ils parlaient, ils disaient la vérité dans qu'est-ce qu'ils nous informaient, Annie, qu'est-ce qu'ils informaient à propos d'Allah, à propos de la religion, à propos des règles, hein, toutes ces choses-là, tout ce qu'ils ont dit, c'était absolument la vérité. Il faut croire en ça. Et il faut croire qu'ils ont complètement transmis le message de leur Seigneur. Ils n'ont rien gardé de secret, hein, parce qu'il y en a parmi les gens, comme par exemple les soufis, qui croient que certains prophètes ont gardé des secrets, et qui les ont donnés juste à quelques initiés parmi les compagnons, et qu'eux ils l'ont transmis d'une personne à l'autre, de génération en génération, et donc eux ils ont une connaissance secrète de Dieu. Hein, ça c'est un exemple de comment les Russes du Shaitan, comment ils ont défié certains parmi les musulmans. Hein, ils leur font croire qu'ils ont une petite connexion secrète ou une connaissance secrète à propos de
la religion d'Allah. Donc, il faut croire qu'ils ont tout transmis, ils n'ont rien caché à propos de la révélation d'Allah. Et on ne fait pas aucune distinction entre les prophètes et entre les messagers. On doit croire en tous les messagers, d'accord? Et bien entendu, comme on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand d'entre les messagers, mais on ne doit pas faire une sorte de compétition entre les prophètes pour essayer de les comparer les uns avec les autres de cette façon-là, dans ce sens-là. On doit croire en eux de façon égale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des prophètes au sujet desquels il a parlé, il a clarifié des choses, il a dit des choses à leur sujet, et d'autres auxquels il n'a rien dit, au sujet desquels il n'a rien dit, mais il faut croire en tout cela. Hein? Et il a dit dans, par exemple, dans Sourate An-Nisa, le verset 164, et il y a des messagers au sujet desquels on t'a raconté leurs histoires, et d'autres messagers avant au sujet desquels on n'a pas rien raconté. Et ça, bien entendu, ça s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa Ummah. Donc, il y a des prophètes qu'on connaît, des messagers qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Et le cheikh dit, وَأَفْضَلُهُمْ أُولُو الْعَزْمِ وَهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc, les meilleurs parmi les messagers d'Allah, ce sont أُولُو الْعَزْمِ, ceux qui détiennent, oui, les cinq, ceux qui détiennent la fermeté, et c'est, on les appelle Ulul Azm. Et c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed. Ça, c'est les cinq parmi, c'est les cinq les plus grands parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qu'on appelle dans le Coran Ulul Azm. Non, c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et le premier messager c'est Nuh. Parce qu'il a été envoyé à un peuple qui n'était pas croyant. Et donc dans ce sens-là, il les a appelés à croire en Allah. Donc c'est lui, c'est le premier parmi les messagers. Et Adam, bien entendu, c'était un prophète. Et le cheikh il dit par la suite, Thumma baqiyatu ar-rusul. ثم بقية الرسل ثم الأنبياء وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il dit puis ensuite tous les autres messagers également qui suivent sont tous des grands messagers. Puis ensuite il y a les prophètes et celui qui est meilleur que tous ces prophètes là et tous les messagers c'est le dernier d'entre eux, celui qui est venu terminer et sceller la prophétie, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Donc, le cheikh dit, وَأَصَحُ مَا قِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ وَالرَّسُولُ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ. Salam alaykum. Il dit que le messager, donc il dit que qu'est-ce qui est plus authentique ou qu'est-ce qui est plus vrai d'après ce qui a été de ce qui a été mentionné au sujet de la distinction entre un prophète et un messager, c'est que le prophète c'est celui à qui ou c'est celui qui a reçu une révélation, qui a reçu une législation, une révélation, la révélation d'une législation si tu veux. Et qui a été commandé de la transmettre aux autres, et il dit que le messager, lui, c'est celui qui a reçu une révélation, et qui a été commandé ou ordonné de la transmettre. Donc, lui, selon le cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le prophète, celui qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre, et le messager, c'est celui qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas été ordonné, mais qui a été ordonné de la transmettre. Ouais, et comme j'avais dit la dernière fois, j'ai écouté le dars de Cheikh Obeid al-Jabri, et il expliquait que, il répondait justement à cette définition, ou à cette distinction-là, entre le prophète et le messager, la distinction entre le prophète et le messager. Et il disait que c'est pas vrai de dire qu'il y a un prophète qui a reçu une révélation, puis qu'on lui a demandé de rester dans la maison, chez lui, avec cette révélation-là. D'accord? Donc, tous les prophètes, même les prophètes doivent appeler à
à suivre la vérité, à suivre le tawhid, etc. Donc c'est pas, donc selon qu'est-ce que Cheikh Obeid expliquait, cette définition-là est pas correcte. Puis en même temps, j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé un texte, une recherche écrite par le Mufti de l'Arabie Saoudite actuel, je pense que c'est Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, si je ne me trompe pas, c'est ça son nom, ouais. Et puis il a ramené beaucoup plus d'opinions différentes au sujet de la distinction entre le prophète et le messager, puis il semblerait qu'il y a plus que deux opinions là-dessus. Sauf que yani, d'après les opinions que j'ai entendues, que j'ai lues, d'après ce que j'ai lu, qu'est-ce que le cheikh a expliqué, il semble qu'il y avait deux définitions qui ressortaient plus et qui semblaient être plus claires. Une, c'était que le prophète, c'est celui qui est envoyé à un peuple qui est déjà croyant, à un prophète qui est venu au préalable, donc il est envoyé à un peuple croyant déjà, tandis que le messager, c'était celui qui était envoyé à un peuple non croyant et qui devait appeler à la foi. Donc ça, c'était une des explications. Puis l'autre explication, c'est celle que je vous avais donnée la dernière fois, c'est celui qui, le messager, c'est celui qui a reçu une nouvelle révélation, une nouvelle charia, puis qui est ordonné de la transmettre. Tandis que le prophète, c'est celui qui appelle les gens en se basant sur une révélation d'un prophète précédent à lui-même. Il n'a même pas une nouvelle révélation, il fait juste réaffirmer et confirmer la révélation d'un prophète précédent. Donc ça, c'est une autre position également. Et moi, je crois que celle-là est plus convaincante, c'est celle que Cheikh Obeid Al-Jaberi a expliquée dans l'explication qu'il a donnée de Al-Usul Al-Salata. Wallahu A'lam. Yani Nabiyan. Parce qu'il n'a pas été envoyé avec une nouvelle il n'a pas été envoyé à un peuple non croyant. Ses enfants, c'était tous des croyants. Puis toutes les descendants de Adam étaient tous sur le Tawhid, jusqu'à le peuple de Nuh. C'est uniquement à l'époque de Nuh que le shirk est apparu, puis que les gens ont commencé à prendre des intermédiaires, des intercesseurs, des statues entre eux pour adorer Allah ou pour se rapprocher à Allah. Ils prenaient ces idoles-là, donc c'est comme ça que le shirk est apparu. Donc c'est juste un point en passant, mais sachez que il n'y a plus de détails encore à cette question-là, mais c'était juste pour vous donner une distinction. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager. D'accord? Donc ça, c'est très important. Tous les messagers sont des prophètes automatiquement, mais c'est pas tous les prophètes qui ont aucun, le prophète il n'est pas un messager, tandis que le messager est toujours un messager et un prophète en même temps. Donc c'est ça. Ils ont vu avec des livres comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran, Isa est venu avec l'Injil, et Moussa est venu avec la Torah, Ibrahim est venu avec le Suhuf. Suhuf et Ibrahim wa Moussa. Allah, il parle des pages ou des feuilles de Ibrahim, ouais. Donc, Daoud avec Az-Zabour. Donc, il y a des prophètes, des messagers qui sont venus. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y en a au sujet desquels il nous en a parlé, et d'autres au sujet desquels on n'a pas entendu parler également. Wallahu a'lam. Nuh. Oui, oui, Allah a mentionné dans le Coran qu'il avait une révélation. Donc. Non, Isa, il revient en tant que. En fait, il revient en tant qu'un être humain. Il ne va pas être un prophète, il ne va pas être un messager, il ne va pas amener une nouvelle révélation. Il va juste terminer sa vie, continuer son chemin. Donc, je te dis, al-iman bil ba'ath. Ça, c'est le cinquième. La foi en la résurrection. Il dit, wa huwa at-tasdiq bi ikhraj al-mawta min quburihim ahya'an yawm al-qiyamah li fasl al-qada baynahum wa mujazatihim bi amalihim ala as-sifati allati bayyanaha Allah fi kitabih.
وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc le cheikh il dit que il faut croire à la résurrection et ça ça implique que tu dois déclarer que tu crois en que Allah va faire sortir les morts de leur tombe et qu'il va les faire sortir vivants au jugement dernier et qu'il va trancher entre les hommes et qu'il va juger entre eux en toute justice et qu'il va récompenser les gens selon leurs œuvres de la façon qu'il l'a expliqué dans son livre, de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a défini dans son livre et de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié dans la sunna. Après le sixième point, il dit « Al-Iman bil-qadari khayrihi wa sharrih wa huwa at-tasdiq bi anna Allah subhanahu alima maqadir al-ashya wa azmanaha قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة فكل محدث من خير أو شر فهو صادر على علمه وتقديره ومشيئته وإرادته ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Donc le cheikh il explique maintenant que le sixième pilier de la foi c'est la foi en la prédestination dans le bien et dans le mal. Ce qui arrive de bien et de mal, tout ça c'est prédestiné. Et le cheikh il dit que ça signifie que tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala était au courant de tout qu'est-ce qui se passe, tout qu'est-ce qui a été prédestiné, tout ce qui arrive c'était prédestiné, il l'a su avant même que ce soit créé. Et avant même que ça existe. Allah savait tout ce qui allait arriver avant même que ça soit créé et avant même que ça existe. Et tu dois croire que ensuite il a écrit ça. Qu'est-ce qu'il savait de ces événements-là et de ces choses-là? Il l'a écrit dans les tablettes préservées, qu'on appelle al-lawh al-mahfouz. D'accord? Et que c'est lui qui les a par la suite déterminés et qui les a voulu. Il les a créés selon sa volonté. Il n'y a rien dans ce qui existe et dans ce qui a été prédestiné qui sort de sa volonté. Et lorsque l'événement se produit au moment spécifique et précis où l'événement se produit, il se produit uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout nouvel événement qui se produit, que ce soit positif ou négatif, bien ou mal, alors ça vient par sa connaissance, par sa détermination, qu'est-ce qu'il a prédestiné, par sa volonté, et ce qu'il veut, c'est ce qui est, et ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Masha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Ça c'est les principes. Et puis on peut résumer ça en quatre points qui facilitent la mémorisation, qui sont clairs, que les ulama ont déterminé comme étant les quatre conditions pour la foi en al-qada ou al-qadar. Isa, c'est quoi? Na'am. Il a écrit, ouais. Le vouloir. La création. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc il a tout su à l'avance, quand il a tout créé. Deuxièmement, il a écrit dans les tablettes préservées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Troisièmement, tout ce qui arrive, c'est par sa volonté. Et quatrièmement, tout ce qui arrive, c'est sa création. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. Tout ça, c'est la création d'Allah. Il n'y a pas deux créateurs comme les Zoroastriens, alaykoum salam, Allah. Les Zoroastriens, qu'on appelle en arabe Al-Majus, qui croient qu'il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal. Le Dieu du bien a créé le bien, le Dieu du mal a créé le mal. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Il y a un seul créateur. Et, alaykoum salam, Allah. Et aussi, il y a les chrétiens qui croient parfois à cette idée-là. Ils croient qu'il y a un combat entre le diable et Dieu. Et que le diable, c'est l'opposé négatif de Dieu.
Donc ça c'est une fausse conception que ces gens-là ont. Et il y a des Timoujoura aussi qui pensent à ça, que Dieu fait une guerre avec le diable dans le ciel, avec les anges, et il y a les anges qui, hein, ils croient ni au paradis ni à l'enfer, et leur paradis ils disent que c'est sur terre. Donc ces gens-là, en réalité ils n'ont pas compris qui est Allah, et ils n'ont pas compris qui est le shaitan. Allah SWT a dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ » Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste mesure ou à son juste, à qu'est-ce qu'il, selon qu'est-ce qu'il mérite réellement. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Et Iblis, Shaitan, la'anahullah, c'est une des plus misérables parmi les créatures dans, qu'il a créées. Hein? Si Allah voulait, en une seconde, il le fait disparaître, il n'existe plus. Mais par sa sagesse, il a voulu il a voulu lui donner un délai jusqu'au jugement dernier. Et ça, ça fait partie des tests que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour les êtres humains. Il a voulu les tester. Parce que si Iblis n'existait pas, si le shaitan n'existait pas, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'épreuve pour l'être humain. Et donc, tout ça, ça fait partie du plan de la sagesse divine. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça dans un but qui est à la fin qui est bon. Donc même si, on va en revenir de toute façon à la question de Qadar, plus tard, ça fait partie des sujets dont on va traiter dans le livre du Cheikh. Donc on va pas s'attarder trop longtemps, mais c'est juste pour savoir ce point-là. Et on n'a pas le droit de poser la question quand on parle de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi t'as fait ça. Hein? Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un est décédé dans sa famille, n'a pas le droit de demander à Allah pourquoi tu l'as fait mourir, ou bien pourquoi tu m'as créé de telle façon, pourquoi je suis infirme, ou pourquoi je suis malade, ou pourquoi j'ai ci, ou pourquoi j'ai ça. Ça, c'est une chose qui est interdite de poser pour un mu'min, pour un croyant. D'accord? Donc ça, c'est, il faut se soumettre et croire en la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit que هذا شرح مجمل لأصول الإيمان وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا. Donc ça c'est un résumé global des articles de la foi et inshallah on va l'expliquer de façon plus détaillée plus tard inshallah. Donc le cheikh il continue, cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصف به نفسه في كتابه ووصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc le cheikh il explique maintenant, après avoir expliqué de façon résumée les six piliers de la foi, maintenant il va expliquer le premier pilier de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça signifie dans l'islam? Hein? Parce que on a expliqué tous ces piliers-là, mais sachez que le plus important de tous les piliers, c'est le premier, la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas suffisant juste de dire je crois que Dieu existe et qu'il est unique pour dire que tu es un croyant. Parce que si tu dis ça de cette façon-là, eh ben c'est comme si tu ne fais pas de distinction entre toi et les mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les mouchriquins au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient eux aussi que Allah existe et qu'il est un seul Dieu. Hein? Mais ils ont fait d'autres, ils ont eu d'autres mauvaises conceptions au sujet d'Allah qui les ont fait tomber dans le shirk. Et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Inch'Allah. Donc le cheikh dit que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même dans son livre. Et croire en Allah tel que son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit dans la sunna. Donc ça c'est fondamental. La façon que, comment tu dois comprendre et comment tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est selon qu'est-ce qu'il t'a révélé. Soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Voilà comment tu dois, de quelle source et de quelle base tu dois tirer ta connaissance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Par la suite, le cheikh, il spécifie, il donne les règles, il va donner les règles qui vont faire en sorte que tu vas pas dévier au sujet de la foi en Allah si tu les respectes. C'est quatre règles que tu dois suivre pour pas dévier dans ce sujet-là, c'est-à-dire des attributs et comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La première, le cheikh dit, min ghayri tahrif, sans faire de tahrif. Tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs. Le deuxième, c'est at-ta'til, c'est une forme de négation des attributs d'Allah. Chacun de ces termes-là, on va les détailler, on va les expliquer en détail, ce que le cheikh va les expliquer. Le troisième, c'est takyif. Tu ne dois pas faire de takyif. Qu'est-ce que ça veut dire, takyif? Ça veut dire que tu demandes comment est Allah, comment sont ses attributs. Ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit de poser la question au sujet de... C'est naam, bid'ah. C'est bid'ah, et toute bid'ah, c'est haram. C'est haram de faire des bid'ah, donc c'est haram de poser la question comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on va le voir aussi. Et dernièrement, voilà, tamthil. Tu ne dois pas faire de tamthil. Qu'est-ce que ça signifie de tamthil? C'est de comparaison, hein, d'analogie, des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, entre Allah et sa création. Tu essaies de les comparer. Allah est comme telle chose de sa création. Et on va le détailler, on va donner des exemples détaillés de ça. Cheikh Ibn al-Sharh, بعد ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على سبيل التفصيل وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله فذكر أنه يدخل في الإيمان بصفاته التي وصف به نفسه بها في كتابه أو وصف بها رسوله في سنته وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لما لها بصفات المخلوقين وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية. Donc ça, c'est un résumé de qu'est-ce qui va venir. C'est que le cheikh dit que l'auteur, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mentionné les bases, les fondements sur lesquels on doit, ou sur lesquels c'est obligatoire de se baser pour avoir la foi. Et il les a décrits de façon générale, et maintenant il va commencer à les mentionner de façon détaillée et spécifique. Et il a commencé par la première base, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit que le premier, c'est justement de croire en Allah et en ses attributs, comme tel qu'il s'est décrit lui-même et tel que son messager l'a décrit, exactement ce que je viens d'expliquer, de façon plus spécifique. Ensuite, il commence, il dit, « والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه يقال إن حرف عن كذا إذا مال وهو نوعان. Donc le chef il dit que التحريف c'est de changer quelque chose. تحريف en arabe c'est de déformer quelque chose, changer quelque chose. Et c'est que tu prends une chose puis tu la déformes pour le faire apparaître différemment ou d'une autre façon. D'accord? ويقال انحرف عن كذا إذا مال. Tu dis que quelqu'un est il a انحرف quand il s'est détourné, quand il s'est penché vers quelque chose d'autre. Donc par exemple, si tu dis tu marches sur un chemin droit puis après tu t'enharif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu te détournes. Et ben ça, c'est dans ce sens-là, التحريف, tu détournes le sens des mots, tu détournes le sens des choses pour leur donner une autre réalité qui est contraire à la réalité. Ouais. Le chef il dit que c'est de deux catégories. Et donc il va donner un exemple de chacune d'entre ces deux catégories-là. Il dit « النوع الأول تحريف اللفظ والنوع الثاني
tahrif al-ma'na. La première forme de tahrif, c'est de faire le tahrif, de déformer le mot lui-même. Tu changes le mot directement. Ça, c'est la première forme de tahrif. La deuxième forme de tahrif, c'est de changer ou de déformer le sens du mot. D'accord? Donc ça c'est les deux formes. Maintenant on va expliquer en détail un et l'autre. Le chef dit النوع الثاني النوع الأول تحريف اللفظ وهو العدول به عن وجهه إلى غيرها إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة كقول أهل الضلالة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى فزادوا في الآية حرفا وكقولهم في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك فزادوا كلمة وكقولهم في قوله تعالى كلم الله وكلم الله موسى تكليما بنفس لفظ الجلالة استاذير جلك سبيكي أبسين فغيروا الحركة العربية من الرفع إلى النصب. Je vais l'expliquer quand je vais le dire en français, je vais donner l'explication pour que vous compreniez, Inch'Allah. Le Cheikh il dit que, donc, le tahrif du mot, le tahrif de la déformation du mot, c'est de le faire sortir de son sens réel vers un autre sens, soit en rajoutant un mot ou une lettre, ou en changeant ou en enlevant quelque chose dans le mot. Tu rajoutes une lettre, t'enlèves une lettre, hein, ou bien tu rajoutes un mot dans le verset ou t'enlèves un mot, hein, et ou bien tu changes haraka. Haraka, dans la langue arabe, vous savez que il y a les fatha, kasra et dhamma que tu mets à la fin de chaque mot, et selon la place du mot dans la phrase, elle a un rôle particulier. Et selon ce rôle-là, il va avoir une différente haraka. Soit que ce sera une fatha, une kasra ou un dhamma. Si c'est le sujet, il va avoir une dhamma. Si c'est l'objet, il va avoir une fatha, etc. Donc, si tu joues avec les harakas, des fois, tu peux changer tout le sens d'une phrase au complet, juste en jouant avec une fatha ou une dhamma. C'est pour ça que c'est très subtil et très dangereux, et il faut faire très attention avec ces choses-là. Donc juste pour vous donner, je vais vous donner un exemple après, vous allez voir. Donc le chef il donne un exemple, il dit, comme par exemple parmi les gens de l'égarement, il y en a qui ont pris le verset par exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa » de tous mes miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rajouté dans le mot istawa, ils ont rajouté une lettre, la lettre lam. Donc au lieu de dire istawa, ils disent istawla. Ils rajoutent le lam. Au lieu de dire istawa, ils disent istawla. Non. Ils n'ajoutent pas réellement, mais c'est sous-entendu, c'est dans leur tafsir. Quand ils font le tafsir, quand ils font l'interprétation, ils le disent istawla. Ma'na istawa, yani ils disent istawla. C'est-à-dire, le mot en arabe istawa, qu'est-ce que ça signifie? L'imam al-Bukhari, dans son sahih, quand vous regardez dans le kitab al-Tawhid, le chapitre, wa kana arshuhu ala al-ma, il cite les paroles de Mujahid ibn Abbas, et il dit que, ils ont expliqué, ils ont dit que ce mot-là signifie ala wa artafa'a. Donc, istawa, ça veut dire, en arabe, ala wa artafa'a. Et si vous regardez les livres des ulama de la langue arabe, comme Abu Ubaida et d'autres, eh bien, ils ont tous dit que c'est ça dans la langue arabe, la signification de istawa. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la signification, parce que istawa, ça veut dire, quand j'ai dit ala wa artafa'a, ça veut dire s'élever et monter au-dessus de quelque chose. C'est ça que ça veut dire, istawa en arabe. Eux, ils disent non, ça veut pas dire istawa, ça veut pas dire, pardon, ça veut pas dire ala wa artafa'a, ça veut dire istawla, c'est-à-dire
de prendre le pouvoir de quelque chose, de conquérir quelque chose. C'est ça que ça veut dire pour eux. Ça a le sens de pouvoir et de conquête, de conquérir. Donc il a pris le pouvoir du trône. Ok? Et ça c'est une déformation du sens. Et la raison pourquoi ils déforment le sens de ce verset-là, c'est parce qu'ils refusent d'attribuer cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il se l'est décrit lui-même. Et il donne un autre sens qui, selon eux, est plus propice à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, c'est contraire au sens même du mot en langue arabe, et c'est contraire aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui-même il a affirmé cet attribut-là par Allah, et c'est contraire également aux paroles des salafs, et contraire à la langue arabe. Donc il n'y a aucune référence, aucune preuve pour cette forme de tahrif qu'ils font. Il donne un autre exemple, le cheikh dit, « Wa ka qawlihim fi qawlihi ta'ala, wa ja'a rabbuk » Dans ce verset-là, eux, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Et ton Seigneur vient, ou viendra, et viendra ton Seigneur, hein, wa ja'a rabbuk » Eux, ils rajoutent un mot, وجاء أمر ربك إن رجوت أمر c'est-à-dire et le commandement de ton Seigneur viendra. Il rajoute ce mot-là encore dans le tafsir parce qu'il refuse d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le fait qu'il va venir d'une façon qui lui convient sans faire de ressemblance et de comparaison et sans demander le comment. Donc ils refusent de l'affirmer, donc ils disent « Wa ja'a amru rabbik » Ça c'est un autre exemple. Et le troisième exemple que le cheikh a mentionné, il dit « Ka qawlihim fi qawlihi ta'ala wa kallama allaha Musa taklima » Ils le lisent avec un nasb. Pour moi, hein, quand le verset qui dit « Et Allah a parlé à Moïse » d'une façon claire, hein. Donc, Allah, il dit, Allah a parlé à Moïse. Wa kallama Allahu Musa taklima. Et le dhamma, c'est pour dire que c'est Allah qui a parlé. Wa kallama Allahu Musa taklima. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Wa kallama Allaha Musa taklima. Pour donner l'impression que c'est Moïse qui a parlé à Allah. Vous voyez comment ils ont changé le haraka, hein? Mais il y a d'autres versets clairs dans le Coran, par exemple. وَإِذْ جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Là, ça ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le changer dans ce verset-là, parce que c'est clair, c'est direct. Hein? Donc, ça c'est un exemple pour montrer que ces gens-là, ils essaient de faire un tahrif. Et ils changent même parfois soit un mot, soit une lettre, ou soit un haraka. Et c'est qui les gens qui font ça? C'est les gens de Bid'a parmi les Jahmiyyah, et les Mu'tazila, et les Jahmiyyah, et les Mu'tazila, et les Asha'ira. Ce sont ceux qu'on appelle al-Jahmiyyah. On peut les appeler Jahmiyyah, ou on peut les appeler yani Ahlul Kalam également, parce qu'ils font tous partie de Ahlul Kalam. Mais en général, ce sont des gens de bid'ah. Ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? On va expliquer un petit peu des détails de c'est quoi ces groupes-là, c'est quoi ces sectes-là, plus en détail par la suite, inshallah. Mais là, c'est juste pour vous donner des exemples de tahrif. Ok? Et la deuxième forme de tahrif, c'est tahrif ul-ma'na, de déformer le sens de l'attribut. Le cheikh il dit والنوع الثاني تحريف المعنى وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر كقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. Ok, donc le cheikh il dit que le tahrif ou la déformation du sens, c'est de changer ou de donner un autre sens
à la réalité d'un mot. Comme si tu prends un mot, puis tu lui donnes la définition d'un autre mot. Ok? Comme par exemple, les gens de Bédah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, et qu'il a l'attribut de Ar-Rahman, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et qu'il a, il donne la miséricorde, ils refusent d'affirmer que Allah a la miséricorde. Ils disent que la miséricorde, Ar-Rahman, c'est d'avoir la volonté de faire une grâce à quelqu'un. Et ils refusent de dire que Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab, parce qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est qu'il se met en colère contre certaines de ses créatures. Hein? Comme par exemple, contre les juifs, Allah dit, al-maghdoubi alayhim. Les juifs, ce sont ceux contre qui Allah est en colère. Hein? Et, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que il est en colère contre eux, les a maudits et les choses de ce genre, et ils refusent de dire que Allah se met en colère. Donc, ils font le tahrif de ça, et ils disent que la colère, pour Allah, ça veut dire avoir la volonté de se venger. Iradatul intiqam. Donc, tous les attributs, en dehors des attributs, des sept attributs, soi-disant, rationnels qu'ils affirment, ils disent que les autres, ça s'interprète par la volonté. Bon, tu vois, c'est des exemples, je vais t'expliquer. C'est que ces gens-là, ils s'enfuient d'une chose pour tomber dans la même erreur en réalité. Comme par exemple, ils disent que on peut pas appliquer là, on peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde. Parce que ils prennent la définition de la miséricorde chez les créatures, et ils disent que la miséricorde, c'est d'avoir de la faiblesse ou de la sympathie pour une autre créature, puis ça implique que tu as des sentiments dans ton cœur, puis des choses de ce genre. Donc, si tu appliques ça à Allah, ça s'applique pas à lui, parce que tu lui attribues des attributs de la création, donc il faut le nier. D'accord? Ou bien la colère également, ils disent, bon, la colère, c'est quand le sang bouille dans tes veines. Et donc, si tu attribues ça à Allah, c'est une imperfection, parce que tu peux pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup, les ulama, quand ils répondent à ces gens-là, ils leur disent par exemple, oui, mais vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala la volonté. Et la volonté, c'est d'avoir un penchant dans ton cœur vers une chose quelconque. Hein. Et donc ça aussi, selon ce que vous dites, si vous êtes capable de nier la colère, et de nier l'amour, et de nier la miséricorde, et de nier la vue, et de nier, il n'y a pas la vue, mais juste pour vous donner des exemples, si vous niez ces choses-là, alors vous devez aussi nier la vue, et l'ouïe, et la volonté, et tous ces autres attributs-là. Ok? Parce que je pense qu'il faut absolument que je fasse l'introduction pour vous faire comprendre un petit peu c'est qui ces gens-là, pour que vous soyez vraiment, que vous compreniez vraiment de qu'est-ce qu'on parle et de qui on parle. D'accord? Donc on va faire une petite introduction, parenthèse là, pour que vous sachiez exactement de qu'est-ce qu'on parle. Premièrement, la position du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, c'est qu'ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms, tels qu'ils sont dans le Coran et dans la Sunna, comme le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah l'a dit, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takif, sans faire de tamthil. Hein? Ça c'est les règles, on va les expliquer. Mais il y a des gens qui sont venus par la suite, qui ont été influencés par des philosophies, comme les philosophes grecs. Ils ont étudié avec eux, et à partir de ces philosophies-là, ils ont commencé à essayer de douter à certaines choses au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, et de vouloir interpréter le Coran et la Sunna en se basant sur la philosophie grecque. Alors, ils ont commencé à dire qu'il ne faut pas parler de Dieu en des termes humains, qui correspondent à des termes tels qu'ils sont utilisés chez les êtres humains. Parce que si tu utilises ces termes-là,
ça implique que tu fais ressembler Dieu à sa création. Et de faire ressembler Dieu à sa création, c'est kufr. C'est la mécréance. Donc, il faut pas le décrire par aucun terme. Sauf qu'ils sont tombés en contradiction avec le Coran et la Sunna. Parce que dans le Coran et la Sunna, il y a des attributs qui sont mentionnés au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des termes et des attributs qui ressemblent aux termes qui sont utilisés pour les créatures. Mais la ressemblance qu'il y a entre les deux est uniquement en apparence. Parce qu'en réalité, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas de ressemblance entre les attributs du créateur et les attributs de la créature. Juste pour vous donner quelques exemples. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toute chose. Il a l'attribut de la connaissance ou du savoir. D'accord? Est-ce que les êtres humains, eux aussi, n'ont pas l'attribut de la connaissance et du savoir? Oui. Les êtres humains ont une connaissance. Ils ont du savoir également. Mais est-ce qu'on peut comparer la connaissance des créatures à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Pourquoi? Parce que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée d'ignorance. Tandis que la connaissance des créatures, elle est précédée d'ignorance. Quand on est, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il nous fait sortir du ventre de nos mères, on n'a aucune connaissance. Donc notre connaissance est précédée d'ignorance, pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît tout à l'infini. Non seulement ça, Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance est sans limite. Tandis que notre connaissance à nous, eh bien elle est très limitée. Hein? On ne vous a donné que très très peu de la science. Donc le fait qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance et qu'on attribue à l'être humain la connaissance, c'est juste une ressemblance en apparence. Parce que dans la réalité de ces deux formes d'attributs-là, c'est du moment qu'on les attribue au créateur ou à la créature, elles deviennent différentes. Elles deviennent différentes. Quand elles sont seulement ressemblantes sous leur forme absolue. Quand tu dis le savoir, sans l'attribuer à personne. Le savoir, quand tu l'attribues à personne, tu peux dire qu'il y a une ressemblance dans le sens que tu ne peux pas le distinguer. Mais du moment où tu dis le savoir du créateur, et que tu dis le savoir de la créature, automatiquement, ça se sépare, ça se divise. La même chose, on peut dire au sujet de la vue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de al-basar. Il voit. Il est le voyant. D'accord? Et l'être humain et les animaux ont également l'attribut de al-basar. Hein? Mais, par contre, par exemple, je vais juste vous donner un exemple. La vue de l'être humain et la vue de l'aigle, est-ce qu'on peut le comparer les deux? La vue d'un aigle est beaucoup plus perçante et précise que la vue d'un être humain. Oui, le degré de vision et la hauteur à laquelle il peut être très 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 à une hauteur très élevée dans le ciel, et puis voir sa proie, une petite souris, sur la terre, et il la voit, il plonge et il l'attrape. L'être humain, non. Il y a d'autres animaux également qui voient des choses les chauves-souris, ils envoient une sorte de onde, et ça revient sur eux, puis ils savent à quelle distance est l'obstacle le mur ou des choses de ce genre, ils voient de cette façon-là. Puis il y a les oreilles qui captent comme des radars, comme le frère a dit. Puis il y a d'autres animaux qui voient dans d'autres spectres de la lumière. Vous voyez, comme nous on voit dans un certain spectre, tandis que eux ils voient à d'autres niveaux. Et donc, ça c'est une différence même entre les créatures. Même entre deux humains, on voit pas tous la même façon. Hein? Attends. Il y a
des êtres humains qui ont une vision qui est plus performante, plus précise. Non, barakallahu fik, je te conviens, il n'y a pas de problème. Barakallahu khair. Il y a des êtres humains qui ont, comme moi, qui ont besoin de lunettes pour voir de loin. Il y en a d'autres qui ont une bonne vue. Bon, mais ça, c'est juste pour vous donner un exemple que s'il y a ces différences-là entre les êtres humains et entre les créatures, eh bien, imaginez les différences qui existent entre la vue du créateur et la vue des créatures. Il n'y a aucune comparaison à faire. Il n'y a aucune comparaison possible à faire entre les attributs du créateur et les attributs de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, sa vision est parfaite et infinie, il voit tout, hein. Donc, c'est incomparable. La même chose peut être dit à propos de lui. Il y a des animaux qui entendent des sons. Nous, on n'est même pas capable de les entendre. Tu les vois courir, tu te demandes pourquoi. Quelques minutes après, tu vois qu'il y avait un grand problème, quelque chose qui arrivait, un gros orage ou une grosse tempête ou un feu ou quelque chose. Et là, tu comprends après qu'est-ce qui se passe. Ou des choses de ce genre. Donc, alors, lui d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui des êtres humains, c'est deux choses différentes et il n'y a pas de comparaison. La même chose pour les autres attributs, c'est la même chose. Hein? Donc, quand on a compris ça, on a su déjà en partant comment on peut répondre à ces gens-là. Nous, on doit affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un verset qui clarifie ça spécifiquement et il dit « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ » Il n'y a rien qui lui ressemble et il est celui qui entend, hein, « al-samir » et « al-basir » c'est lui qui voit. Donc tu dois affirmer les attributs et il n'y a rien qui ressemble à Allah dans ses attributs, ni dans ses noms, ni dans ses attributs. Donc, et là ça c'est clair, le musulman, le sunni, il entend les versets qui parlent d'Allah, il n'y a jamais une ressemblance dans sa tête ou une idée de ressemblance qui peut venir à son esprit. Parce qu'il sait tout de suite que c'est impossible qu'il y ait une ressemblance quelconque. Je vous donne un exemple aussi encore. Une patte d'éléphant et une patte de lapin. Est-ce que c'est les deux la même patte? Il y a une différence. L'éléphant a une patte d'éléphant, le lapin a une patte de lapin. Chacun a sa patte. Hein? Donc, il ne faut pas essayer de faire des comparaisons entre la patte d'une créature puis la patte d'une autre. Si c'est le cas, des choses, ça c'est des choses qu'on connaît. Alors, imaginez des choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il nous informe de ses attributs, comme quand il nous dit qu'il a une main, il ne faut pas essayer de penser que sa main est semblable à la main de ses créatures. Quand il nous dit qu'il a deux yeux, il ne faut pas essayer de voir puis penser comme « Ah, il a les yeux comme les créatures, comme les animaux ou comme les êtres humains ». Non, il n'y a pas de ressemblance. Et même si on essaie de les imaginer, on n'est pas capable de les imaginer, parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Quand il dit qu'il vient, ou quand il dit qu'il s'élève au-dessus de son trône, ou quand il dit qu'il descend au dernier des cieux, dans le dernier tiers de la nuit, pour demander qui va me demander pour que je lui réponde, il ne faut pas essayer d'imaginer comment il fait ça. Et il ne faut pas essayer d'imaginer non plus comment sont ses attributs et des choses de ce genre. Donc, une fois qu'on a compris ces principes-là, eh bien, par la suite, c'est très facile pour nous de comprendre comment répondre à ces gens-là qui ont été influencés par ces philosophies qui sont étrangères à l'islam et qui essaient de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attends juste un instant. Comme par exemple, là maintenant on a compris ce point-là, et puis, non, c'est comme, maintenant ils ont commencé à dire par exemple, bon, il faut pas attribuer ces attributs-là, il faut uniquement se baser sur la logique. C'est des gens qui prétendent vouloir se baser sur la logique, parce que les premiers qui sont apparus, c'est les Jahmiyyah. Il suivait un homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Et à l'époque où il est apparu, il a commencé à nier que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et à nier que Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme son Khalil. Et il nie des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Il nie Al-Qadar. Et il nie beaucoup d'autres principes fondamentaux de la religion de l'islam.
D'accord? Et lui, il avait appris d'un homme qui s'appelait Ja'd ibn Dirham. En fait, le vrai instigateur de cette bid'a, c'était Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd ibn Safwan, c'est lui qui l'a propagé, cette idée-là, cette secte. Alors, les gens ont appelé Jahmiyyah. Ensuite, sont apparus Al-Mu'tazila. Et Al-Mu'tazila sont un peu différents des Jahmiyyah. Parce que les Jahmiyyah, ils niaient et les noms et les attributs d'Allah en entier. Ils disaient, on croit seulement en l'existence, en une existence indéfinie. Un être suprême qui existe, une force quelconque, mais on ne dit pas qu'il a des attributs et on la qualifie pas. On lui donne aucun attribut. Un peu comparable, leur croyance est un petit peu comparable à la croyance du dieu des scientifiques aujourd'hui, ou le dieu des déistes de la période des Lumières, comme Voltaire, puis ces autres couffards-là. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire un dieu qui n'a pas d'attributs. Il n'a pas de volonté, il n'aime pas, ne déteste pas, il n'a pas envoyé de livre, il n'a pas envoyé de prophète, il n'a pas envoyé de messager, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas. Donc c'est un Dieu abstrait qui n'a aucune qualité, aucune attribut, c'est juste un être comme ça qui existe et c'est une force, une énergie, ou je ne sais pas comment il l'appelle. Et, c'est-à-dire, si quelqu'un croit en Dieu de cette façon-là, c'est comme s'il ne croit pas en Dieu du tout. En tout cas, il ne croit pas au Dieu qui est écrit dans le Coran, Le Dieu auquel il croit, s'il croit à ce Dieu-là, au Dieu sans attribut du tout, eh ben, c'est tout à fait différent que le concept que Dieu nous a expliqué dans le Coran. Parce que la façon dont quand on lit le Coran, Dieu nous parle de lui-même. Il nous dit qu'il a envoyé des messagers, il nous dit qu'il aime les croyants, il nous dit qu'il déteste les gens qui désobéissent à sa loi, il nous dit qu'il punit, il nous dit qu'il récompense, il nous dit que il a des attributs, il a une sagesse, il dit qu'il est hakim, il dit qu'il est alim, il dit qu'il est qadir, il dit qu'il a tous ces attributs-là, donc il parle clairement de ça dans sa révélation pour qu'on le connaisse. Eux, ces gens-là disent non, tout ce qui est écrit dans le Coran à propos d'Allah, c'est faux, il ne faut pas se baser là-dessus. Et même parmi eux, il y en a qui disent que celui qui croit en qu'est-ce qui est écrit littéralement dans le Coran au sujet d'Allah, il devient kafir. Imaginez. Ça, c'est pas l'égarement, ça. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Les Mu'tazila, eux, ils ont un petit peu amené une chose différente des Jahmiyyah. Les Mu'tazila, eux, ont dit, d'accord, on nie pas on nie les attributs d'Allah, mais on nie pas les noms. Donc, on dit que Allah s'appelle Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir, Al-Samir, mais on n'affirme pas les attributs. Et puis, on dit que ces noms-là, c'est juste des noms propres, sans signification. Comme quelqu'un peut s'appeler, par exemple, Zayd, ou on peut s'appeler Ahmad, ou d'importe quel autre nom, mais c'est juste un nom qui te désigne mais qui n'a pas de signification. C'est des noms comme ça, sans savoir. Pourquoi? Parce que dans les noms d'Allah ta'ala, la signification de ces noms-là, c'est des attributs. Quand tu dis que Allah est Al-Alim, ça veut dire qu'il a l'ilm, qui est celui qui possède l'ilm. Eux, ils disent il est Alim bidoun ilm. Il est alim, il est savant, le savant, mais il n'a pas de science, il n'a pas de savoir. Il est hakim, bidoun hikma. Il est hakim, mais il n'a pas de hikma. Il est basir, bidoun basar. Donc c'est ça. Donc ils affirment le nom, mais ils nient la signification, ils nient l'attribut. D'accord? Mais les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils ont tous déclaré que les Jahmiyyah sont des kuffars. Ils ont tous déclaré que les Jahmiyyah sont des kuffars. En ce qui concerne les Mu'tazila, ils n'ont pas dit que ce sont des kuffars. Donc ils ont dit, ces gens-là, ils affirment les noms. Et l'affirmation des noms implique l'affirmation des attributs. Donc, dans ce sens-là, ils ne les ont pas déclarés complètement kuffars ou en dehors de l'islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais par la suite est venu
un autre groupe parmi des gens qu'on appelle Ahlul Kalam. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de chercher un chemin intermédiaire, un chemin qui satisfait, soi-disant, les gens de Ahlul Sunnah, et un chemin qui est en même temps qui satisfait les gens de Bid'a. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé une voie intermédiaire de leur propre tête pour essayer de corriger cette Bid'a. Et comme les ulama ont dit, ils ont essayé de réfuter une Bid'a par une Bid'a. Et ces gens-là, c'est qui? C'est Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya, ça c'est deux parmi ces groupes-là qui font partie de ces gens de Bid'a qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit on va pas nier les noms, on affirme les noms. Puis les attributs, on va affirmer uniquement celles qui peuvent être prouvées par la raison. Pour être capable d'argumenter avec les Mu'tazila, il faut utiliser la logique, parce qu'eux, ils croient pas au texte. Ils se réfèrent pas au hadith. Et ils ne se basent pas directement sur le Coran comme étant une preuve directe. Donc, on va se baser avec eux sur la logique. Donc, on va affirmer juste des attributs qui peuvent être supportés par la logique selon eux. Donc, ils ont dit, on va affirmer 7. Al-Hayat, la vie. Al-Ilm, la connaissance. Al-Qudra, la capacité. Al-Hikma, la sagesse. Al-Sam', l'ouïe. Al-Basar, la vue. Et Al-Kalam, la parole. Ouais. Mais la parole d'Allah, il dit que c'est pas le mot qui est la parole d'Allah, c'est uniquement la signification. Comme dans le Coran, quand il parle du Coran, il dit c'est pas les mots dans le Coran qui sont la parole d'Allah, c'est la signification de ces mots-là qui est réellement la parole d'Allah. Mais les mots qu'on récite, nous, ça c'est créé. C'est juste le sens qui est pas créé. En tout cas, on va revenir là-dessus plus tard. Ça, c'est un exemple comment ils ont dévié. Donc, c'est des gens qui ont essayé de suivre une voie intermédiaire. Et une des raisons pourquoi ils ont suivi cette voie intermédiaire et qu'ils ont dévié dans ça, c'est parce que, premièrement, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a expliqué, c'est qu'ils avaient une connaissance faible au sujet des hadiths et des athars, des salafs, au sujet de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'était une des premières bases ou des premières raisons pour lesquelles ils ont dévié, ok? Parce que le fondateur de ce groupe-là s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et lui, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a été 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Et le mari de sa mère, qui s'appelait al-Jaba'i, c'était le top des Mu'tazila de son époque. Donc il a étudié avec son beau-père pendant 40 ans. Imaginez qu'un homme reste 40 ans dans une secte, et qu'après 40 ans, il sort de cette secte. Même s'il comprend qu'il y a des idées fausses dans cette secte-là, qu'il veut revenir à la vérité, c'est certain qu'il va y avoir encore quelques petites notions, quelques petites séquelles qui restent encore dans sa tête. Surtout si sa connaissance est un petit peu, faible en ce qui concerne les athars et les hadiths. Donc, il est revenu, il a dit ça y est, je quitte le Mu'tazila, il est venu ouvertement sur le même bar de la mosquée et il a dit je quitte la voie des Mu'tazila et j'accepte la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Excepté qu'il ne connaît pas comme il faut la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a amené sa propre voie et des gens l'ont suivi sur cette voie-là et c'est pour ça. Ces gens-là ils affirment les 7 attributs qu'on a mentionnés, puis les autres ils font qu'est-ce qu'on appelle tahrif, ils le déforment, ils changent leur signification pour leur donner une signification différente. Comme par exemple les autres attributs, en dehors de ces 7-là, ils l'expliquent par la volonté, iradatul in'am, iradatul intiqam, l'amour c'est iradatul in'am, la colère, iradatul intiqam, arriba, iradatul in'am. Donc c'est toujours l'irada.
Et donc, ça, ça les a amenés dans plein d'erreurs. Quand ils disent Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, ils disent istawla. Et quand ils disent Waja'a Rabbuka dans le Coran, ils disent Waja'a Amru Rabbik. Waja'a Amru Rabbik. Et il l'interprète. Quand le prophète Rasam dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, ils disent l'ange de Dieu descend au dernier des cieux. Tu vois? Et les ulama leur ont répondu, ils ont dit, mais le hadith dit que Allah descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, et il demande, est-ce qu'il y en a qui voudraient se faire pardonner pour que je leur pardonne? Et est-ce qu'il y en a qui voudraient que je me demande quelque chose pour que je leur attribue ou que je leur réponde? Alors, les ulama ont dit, est-ce que c'est l'ange qui demande aux gens, voulez-vous que je vous pardonne et je vais vous pardonner? Les anges ne peuvent pas pardonner. Il n'a pas le droit de demander pardon aux anges, c'est uniquement à Allah qu'on a le droit de demander le pardon et des choses de ce genre. Donc, de faire ce genre de tahrif, c'est haram. D'accord? Mais, par contre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Abul Hassan al-Ash'ari, qui est né en 260 et qui est mort en, en 260, il est né. En 300, il avait 40 ans environ. Il a quitté la voie des Mu'tazila. Donc, il est mort en 330, si je ne me trompe pas. Donc, il a resté, je pense, 30 ans entre sa période de conversion ou de qu'il a quitté les Mu'tazila jusqu'à la période où qu'il revienne à la Sunna. Il y a eu cette période où il était sur cette voie innovée, qui était en réalité une voie qu'on appelle Al-Kullabiyya. Maintenant, on l'appelle comme étant Al-Kullabiyya parce qu'il y avait d'autres personnes à son époque qui avaient cette idée-là, qui attribuaient juste 7 attributs à Allah, puis des choses comme ça. Mais à la fin de sa vie, il a dit, je reviens à la croyance de l'imam Ahmad et des imams Ahl-Sunnah. Et j'affirme tous les attributs d'Allah. Et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana. Et dans ce livre-là, il a affirmé, comme tous les imams d'Ahl-Sunnah, la plupart des attributs, ou presque tous les attributs d'Allah, à l'exception de quelques petites erreurs qu'il a pu faire dans ce livre-là. Sauf que, yani, Inch'Allah, on espère que Allah accepte de lui, puisqu'il a fait l'effort qu'il a pu. Et yani, donc, avec la connaissance qu'il avait, on a la preuve qu'il a fait une repentance avant de mourir. D'accord? Et donc, il est revenu à la voie de Ahl-Sunnah wa Jama'a. Par contre, les gens aujourd'hui, dans le monde musulman, qui suivent ou qui prétendent suivre Abul Hassan al-Ash'ari, eh ben, ils ne suivent pas la dernière position de l'imam Abul Hassan. Ils suivent la période intermédiaire, la période où il niait des attributs et il en affirmait d'autres, pas en accord avec la voie des salafs salih. Maintenant, si vous voyez les ahbash, vous les connaissez, ces gens-là, ils prétendent être Ahl Sunnah wal Jama'a, alors qu'ils sont en contradiction avec Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein? Et donc aujourd'hui, si vous leur parlez, ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a sont deux groupes. Al-Maturidiyya et Al-Ash'ariyya. C'est ces deux groupes-là, selon eux, qui sont Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Al-Maturidiyya. C'est un autre groupe, un autre imam qui vivait dans la région de plus éloignée vers l'Est, et qui avait à peu près les mêmes bases philosophiques et idéologiques que Abul Hassan Al-Ash'ari de cette époque-là. Mais, ils disent que ces deux-là, c'est Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Les ulama ont dit, mais comment vous pourrez être Ahl-Sunnati wal-Jama'a alors que vous avez des différences entre vous? C'est pour ça que les ulama ont dit, les seuls qui sont vraiment Ahl-Sunnati wal-Jama'a aujourd'hui, et depuis toujours, même depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement les salafiyoun, ceux qui suivent les salaf salih, c'est-à-dire la voie des sahaba et ceux qui les ont suivis. Et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, tel que les sahaba ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ajouter, sans enlever quoi que ce soit.
D'accord? Maintenant, je pense que ça, ça vous donne une bonne introduction à ce sujet-là. Par contre, il y a un petit point que je dois mentionner au sujet du mot tahrif. Parce qu'on a expliqué que ces gens-là font qu'est-ce qu'on appelle un tahrif. D'accord? Mais ils sont rusés, dans le sens qu'ils sont pas bêtes pour venir aux musulmans puis dire, nous on fait le tahrif. Parce que s'ils font ça, tout le monde va savoir que les gens qui appellent à l'égarement. Donc, ils utilisent un autre mot. Au lieu d'utiliser tahrif, ils utilisent un mot qui est accepté par les musulmans, qui a une bonne signification, et c'est le mot ta'wil. Ta'wil. Ok? Et le mot ta'wil, dans la langue arabe, ça veut dire la même chose que tafsir. Tafsir, d'accord? Tafsir, ça veut dire l'explication ou l'interprétation. D'accord? Sauf que, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire, eux, c'est le tahrif, la déformation, pas le ta'wil. Et l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a dit dans son livre « As-Sawa'at al-Mursala », il a dit « فَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ التَّأْوِيلِ بَلْ حَقِيقَةُ الْعِلْمِ هُوَ التَّأْوِيلِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ التَّأْوِيلِ وَلَكِنْ أَيُّ التَّأْوِيلَيْنِ فَنَحْنُ أسعد بتأويل التفسير من غيرنا وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا. Donc c'est ça que l'imam ibn al-Qayyim a dit. Il dit nous on ne rejette pas le ta'wil. Il dit en fait la réalité c'est que le ilm, la science, c'est de connaître comment, ou bien de connaître le ta'wil, de connaître la réalité du ta'wil, c'est-à-dire de connaître l'interprétation des choses et la bonne explication des choses. C'est ça le ilm. Donc on rejette pas le ta'wil. Eux ils disent vous rejetez le ta'wil. Non, on rejette pas le ta'wil. Le cheikh il dit الراسخون في العلم, les gens qui sont profondément ancrés dans la science, ce sont les gens du ta'wil, ce sont les gens qui connaissent le ta'wil. Mais lequel des deux ta'wil, lequel des deux formes de ta'wil? Est-ce que c'est la forme de ta'wil qui est le tafsir, ou bien c'est le ta'wil qui est en réalité un tahrif? Tu prends un mot, tu le fais sortir de sa réalité ou de son sens réel. Hein? Donc, le ta'wil c'est quoi? C'est quoi le tafsir dans la langue, dans l'islam, quand les ulama font le tafsir, c'est quoi? Hein? Si vous retournez par exemple au livre de l'imam al-Tabari, il a un livre de tafsir, et quand il donne l'interprétation d'un verset, il dit « qala ahlu al-ta'wil »« qala ahlu al-ta'wil kaza » fi hadhihi al-ayah. Ils vont dire « les gens du ta'wil ont dit au sujet de ce verset » ce qui suit. Et là, il mentionne les différents tafsirs que les salaf ont donné. Maintenant, vous allez voir par exemple un imam de Ahl Sunnah, hein, Ibn Qutayba, qui a écrit un livre, ça c'est un des salaf, qui vivait à la période de l'imam Ahmed. Et bien, un des livres qu'il a écrit, c'est Mukhtalifu Ta'wil al-Hadith. Ça, c'est le titre de son livre. Les différentes interprétations du hadith. Donc le terme ta'wil, il était utilisé par les imams d'Ahl Sunnah et par les ulama des salaf. Naam, ils étaient utilisés au temps de l'imam al-Tabari, au temps de l'imam Ahmad, hein, Ibn Qutayba. Ils utilisaient ce terme ta'wil, c'était accepté. Le problème, c'est quoi? C'est que ça n'a pas du tout, la façon dont ces imams-là utilisaient le terme ta'wil, c'est pas du tout de la même façon que les gens, que ces gens-là de Bid'ah l'ont utilisé eux. Parce que le ta'wil, pour les ulama d'Ahl Sunnah, c'est que tu prends un verset, ou un terme, ou un hadith qui n'est pas clair, qui n'est pas spécifique, et tu le ramènes à un autre verset qui l'explique. Ou à un autre hadith qui l'explique, hein, comme par exemple s'il y a un verset dans le Coran qui à un certain endroit il n'a pas été clarifié, ce verset-là il a été mentionné mais il n'est pas clair, tu retournes à un autre endroit dans le Coran et tu trouves
que la chose dont Allah a parlé d'une façon générale dans un endroit particulier, il a été expliqué en détail à un, dans un autre verset. Donc, ça c'est, les ulama, eux, ils connaissent le Coran, ils connaissent la Sunna, ils savent comment ramener un verset à un autre pour le rendre clair. Ou parfois même, il y a un verset dans le Coran qui n'est pas clair, et tu retournes au hadith et tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'explique clairement dans la Sunna. Donc, c'est ça la façon des ulama d'expliquer le Coran. Ils ramènent le Coran, ils interprètent le Coran par le Coran. Ou bien ils expliquent le Coran par la Sunna. Ou bien ils expliquent le Coran par les paroles des Sahaba. Parce que les Sahaba ont pris leur connaissance directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont témoigné, ils ont été témoins de la révélation. Et ils ont vu l'application directe de l'islam devant leurs yeux. Donc, ils savent, ils connaissent l'explication, ils connaissent les raisons de chaque révélation, de chaque verset. Donc, eux, ils ont une connaissance de l'interprétation des versets. Puis, par la suite même, les élèves des Sahaba qui ont étudié avec eux, eux aussi connaissent l'interprétation. Et si on ne trouve pas, on peut aussi se référer à la langue arabe classique du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître le langage arabe de l'époque, qu'est-ce que les mots signifiaient à cette époque-là. Et ça aussi c'est une référence. Donc, ça c'est la façon dont les ulama font le ta'wil, ça c'est le vrai ta'wil. Mais qu'est-ce que font les gens de bid'ah, qu'est-ce qu'ils font et qu'ils appellent ta'wil en réalité? C'est pas le ta'wil, c'est le tahrif. Ils prennent un mot, ils retournent même pas au Coran ni à la Sunna, ils retournent même pas à la langue arabe classique, et ils donnent leur propre interprétation en se basant sur des règles soi-disant rationnelles qu'ils ont établies d'eux-mêmes, de leur propre tête. Et ils disent, voilà la voie, voilà le droit chemin. Ça c'est l'égarement. Et ils disent, comme j'ai dit tout à l'heure, que si quelqu'un prend les textes du Coran littéralement, il devient kafir. Imaginez, si quelqu'un peut même plus prendre la guidance de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala directement, et qu'il devient kafir en lisant la parole d'Allah. Alors, subhanallah, imaginez, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui va, d'où va venir la guidance par la suite, hein? Donc, c'est pour ça que les ulama, ils ont expliqué. Il faut savoir, il faut être au courant de ce petit jeu de mots qu'ils utilisent pour tromper les gens. Le ta'wil, la différence entre le tahrif et le ta'wil. Le vrai ta'wil. D'accord? Donc, maintenant, on a expliqué le mot tahrif. Maintenant, on va expliquer le deuxième, la deuxième règle, le deuxième terme. Ah oui, c'est vrai ça. Oui. Non, ouais, c'est presque là, mais c'est que le mot tahrif, ils veulent pas, ils l'utilisent pas, parce qu'ils le cachent. Parce qu'ils veulent pas montrer qu'ils changent le mot. Allah a utilisé le mot tahrif au sujet des juifs dans le Coran. Allah dit يحرفون الكلمة عن مواضعه. Allah dit à propos des juifs, ils prennent un mot, ils le changent de son contexte, ils jouent avec, ils le déforment. Ouais, ra'ina au lieu de unzurna. Et au lieu de dihitta, ils ont dit hinta. Et des choses de ce genre. Ils déforment les mots, ils jouent avec les choses, soit ils mettent les choses en dehors de leur contexte. Pour leur donner une autre signification. Et le ta'wil, c'est pas ça, c'est l'interprétation. Oui. Oui, c'est ça. Mais eux, ils l'utilisent pour déformer la réalité. Et ça, c'est ça le problème. Et, au sujet du ta'wil, ça, c'est des gens de bid'ah, comme ceux qu'on appelle, qui ont fait le ta'wil au sujet des noms et des attributs d'Allah. Il y a d'autres sectes déviées encore plus que eux. Non seulement ils ont fait le ta'wil au sujet des noms et des attributs d'Allah, en plus de ça, ils ont fait même le tahrif, non seulement ils ont fait le tahrif des noms et des attributs d'Allah, ils ont également fait le tahrif de la religion en entier même. Ils font le tahrif, ils ont fait le tahrif de la salat, tahrif de la zakat, tahrif du saum, tahrif du hajj,
tahrif de l'islam en entier, subhanallah. Ils ont donné à chaque, ils ont dit chaque mot à une, chacun de ces choses-là a un autre sens ou une signification secrète, cachée. Mais, il y en a des soufis qui ont dit ça, mais en général, c'est les batiniyas. Le batiniyas, c'est des gens qui suivent des sectes qu'on appelle ésotériques. C'est seulement les initiés qui connaissent les secrets de leur secte. Et si t'es pas initié, tu peux pas les connaître. Et t'es dans l'égarement, t'es dans l'obscurité. C'est juste eux qui le savent. Hein? Donc ça, c'est des gens comme par exemple, Al-Qaramita, hein, Al-Ismailiyya, Al-Nusayriyya, Al-Druz. Ça, c'est des groupes qui sont en dehors de l'islam. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont pas dans ces groupes-là ouvertement, ou qui sont pas directement dans ces groupes-là, mais qui font une autre forme de tahrif. Ils prennent un système des koufars que les koufars ont inventé dans les derniers siècles, 1700, 1800, 1900, et ils essaient de l'adapter et de le rendre islamique. Hein? Comme le socialisme, ils essaient de faire un socialisme islamique. Le communisme, ils essaient de faire un communisme islamique. La démocratie, ils essaient de faire la démocratie islamique. Les droits de l'homme, ils essaient d'être des droits de l'homme islamiques. Donc, si ils prennent ces principes-là que les koufars ont inventés, puis là, ils regardent le Coran et la Sunna. Toute chose qu'ils trouvent dans le Coran et dans la Sunna, qui est en contradiction avec ces principes-là que les koufars ont inventés, ils vont dire bon, soit on le nie, ou soit on fait le tahrif. On va le déformer, puis on va lui donner une autre signification pour que ça concorde avec ce que eux ont dit. Et ça, c'est une autre forme également de tahrif. Et hier j'étais allé à un khutba dans une mosquée MCQ. Et c'est une mosquée connue comme étant une mosquée avec des gens de Bid'a. Hein? Et qu'est-ce qu'ils disaient là-bas, l'imam, c'est pas l'imam habituel qui faisait le khutba, mais c'était un gars, yani, qui faisait le khutba, Allah musta'an. Et qu'est-ce qu'ils disaient, souvent? Ils disaient que quand vous parlez avec des non-musulmans, dites-leur pas, parlez pas avec eux de la croyance. La croyance doit être, il dit, la croyance doit être la dernière chose que tu leur mentionnes. Il dit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. La première chose qu'il leur a dit, de les appeler à la ilaha illallah, tawhid. Lui, il dit, ne parlez pas avec eux de croyance. Il dit, et quand vous leur parlez de la prière, vous leur dites que c'est comme un exercice. Et il a dit, tel que je vous le dis maintenant, et je rajoute rien. Il a dit, nous les musulmans, on n'a pas besoin d'aller dans un gym. On a un gym, quand on fait la prière, c'est comme une gymnastique. On n'a pas besoin d'aller au gym. Et il a dit, j'ai lu dans un livre écrit par une non-musulmane, il a dit le nom de la femme, elle a écrit un livre sur le yoga. Walaykoum salam. Elle a écrit un livre sur le yoga. Et elle a dit que les musulmans, lorsqu'ils font la prière, ils font travailler les sept nerfs. Les mêmes nerfs qu'on fait travailler quand on fait le yoga. Donc, quand tu fais la prière, tu fais du yoga. J'ai dit, subhanallah. Ça, c'est de l'hindouisme. Le yoga, c'est une des formes d'adoration dans l'hindouisme. Vous voyez, subhanallah, chaque chose qui est dans l'islam, il essaie de l'interpréter d'une façon matérialiste ou bien une autre façon spirituelle pour juste adapter ces idées-là pour dire que les kuffars vont être contents avec toi. Hein? Parlons pas de l'islam que ça, c'est Allah qui l'a envoyé et qui l'a révélé et qui l'a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran pour que l'humanité soit sur le droit chemin et qu'ils doivent croire en ça. Non, il ne faut pas leur dire ça. Ça, c'est grave. Ça, c'est déformer l'islam. Après, il dit le zakat, c'est comme une forme de redistribution des biens, hein, comme dans la société sociale, dans le socialisme. On prend aux riches, on donne aux pauvres. Après, il dit le jeûne, c'est uniquement pour montrer que tu veux connaître la souffrance des pauvres quand ils ont faim. Pas parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il dit, comme Allah dit dans le Coran, la'allakum tattaqoun, pour que vous acquériez la taqwa. Hein? Pas pour avoir le taqwa, non, juste pour connaître la faim des pauvres. Il mentionne ça en premier, sans mentionner la raison fondamentale pourquoi on fait le somme. Pas pour. Le but dans le Coran, Allah ne nous a pas dit qu'on jeûne juste pour connaître la faim. Parce que si on peut connaître la faim sans jeûner. Hein? Le but du jeûne, c'est autre. Donc, il y avait ça.
Et après, au début, quand je suis arrivé, il disait que les droits de l'homme, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes valeurs que l'islam. La charte des droits canadiens, c'est la même que l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que les Canadiens sont déjà à moitié musulmans sans le savoir, parce qu'ils croient déjà en la charte des droits canadiens. Alors moi, subhanallah, j'entendais ça, je ne savais plus quoi penser. Je dis oui, dans l'islam, il y a la liberté de croyance, celui qui veut croire, il peut croire, celui qui ne veut pas croire, il peut pas croire. Et donc ça, hein? Oui, il a dit ça. Ça c'est grave, yani. Ouais, yani. Et il y en a même parmi, il y en a même qui sont allés à dire pire que ça, yani, comme Tariq Souaidan. Il a dit que quelqu'un a le droit de quitter l'islam s'il veut. Il peut devenir murtad. Et il dit que s'il devient murtad, il n'y a pas de punition pour lui. Non, Tariq Souaidan qui a dit ça, mais peut-être Tariq Ramadan aussi. C'est tout le même manhaj, ces gens-là. Après, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, donc, les Canadiens, ils sont déjà à moitié musulmans parce qu'ils croient à la charte des droits, des libertés. Et donc, c'est les mêmes valeurs. Alors moi, après le khutbah, je suis allé le voir, je lui ai dit. J'ai dit, mon frère, tu dis que c'est les mêmes valeurs. Eux, ils disent dans les droits de l'homme qu'un homme peut devenir homosexuel. Est-ce que ça, c'est les mêmes valeurs que l'islam? Hein? Là, il a dit, non, mais c'est pas ça ce que je voulais dire et tout. Il dit, mais tu t'adresses à des musulmans, il y en a qui ne connaissent pas bien, tu les mets dans l'erreur. Tu risques de les faire tomber dans l'égarement. Tu parles pas, tu t'adresses pas de cette façon devant des musulmans comme ça. Puis là, après, il citait Victor Hugo, puis Lamartine, puis il citait toutes sortes de trucs. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples de comment des gens peuvent faire le tahrif. Non seulement des noms et des attributs d'Allah, mais ils peuvent également faire le tahrif de la religion en entier. Et dans le but de quoi? Dans le but de satisfaire les idées et les convictions des kuffars. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Annie, on va s'arrêter ici. Ou bien il nous reste encore 5 minutes. Hein? Baqi ya waqt. Tayyib akhi. Donc on va s'arrêter ici. On va continuer. Non.